bonjour, donc nous sommes les From Kissing, on existe depuis 4 ans. C'est la deuxième fois qu'on joue ici dans le cadre des fêtes au bord de l'eau. Et donc ici il y a Christophe qui est le chanteur, Hervé qui est le batteur, Massimo qui est le guitariste et synthé, et moi la basse. Alors on retient à remercier aussi le Centre Indigo pour la prestation de ce soir, c'est vraiment très chouette de jouer dans ce cadre-là. On a eu l'occasion d'aller chez eux il y a un mois pour tourner une émission pour la RTBF. Voilà, c'est des gars très cool et c'est un plaisir de bosser avec eux. Hervé, tu veux dire un petit truc ? Je vous aime. Voilà. Chris ? Moi aussi, je vous aime. Je n'entends absolument rien. www.fromkissing.be. Donc on peut avoir toutes les infos là. Merci à vous, ciao. Salut, c'est Off de Dissident. On vient de jouer au week-end au bord de l'eau. C'était vraiment cool. C'était la première fois. Et je vais te présenter mes copains. T'as Hervé qui est là, à ma gauche. Bonjour. Salut, j'appelle Massimo, Dissident. On est super heureux d'avoir joué à week-end au bord de l'eau. On voudrait remercier Centre Indigo et tous les potes de la bande pour leur coup de main et le super boulot qu'ils ont fait. Et entre-temps, ben, likez la page Facebook, ça nous fera plaisir, quoi. Bonjour, c'est Yannick Dissident. Ben, écoute, moi aussi, c'est pas la première fois que je viens, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on vient jouer au week-end au bord de l'eau. Et merci à l'équipe, à l'organisation, à tout le monde pour ce bel accueil et cette belle ambiance familiale. Merci beaucoup, les gars. Baptiste, 20 ans, je suis le bassiste du groupe d'Awapax. Voilà, je remercie quand même Indigo pour avoir permis de faire le concert et c'était cool. Je m'appelle Valentin, moi je suis le batteur du groupe d'Awapax. Évidemment, on remercie Indigo de déjà nous permettre de répéter dans leur studio, au studio qui se trouve à Bracny. Sans ça, malheureusement, on ne pourrait jamais ne serait-ce que répéter tous ensemble en musique, ni même de faire de concert, parce que pour pouvoir répéter, il faut avoir du matos, un grand local, et donc voilà, donc on les remercie pour tout ça. On s'est tous inscrits à Indigo, on a tous commencé en A et voilà, après on est monté, par exemple moi je suis en Indigo Ben ainsi que Baptiste et Margot. Moi c'est Maxime, guitariste aussi, j'ai 24 ans depuis jeudi malheureusement. Donc je remercie les studios pour tout ce qu'ils font, pour nous, pour les jeunes et sans qui tout ça ce ne serait pas possible. Hey, bonjour. Voilà, on est Has-Been, on est un groupe de reprise qui se revendique sauveur des morceaux qui ont été complètement oubliés, qui n'ont fait jamais qu'un seul tube et puis que les groupes, on se souvient plus. Je vais maintenant passer la parole à Laurent qui peut en dire plus par rapport à ça. Brice, toi tu... Laurent a tout dit. J'avais des trucs en tête, mais il m'a complètement coupé l'air sous le pied. Je sais pas, moi je suis d'accord, il a raison. Il est vraiment dans son regard, Brice. J'aurais bien ajouté quelque chose, mais il y a des espèces de postillons sur le micro, donc je vais peut-être rendre l'antenne. Merci, en tout cas, c'était un chouette concert et on remercie tout le monde, hein, ça va plus vite en fait. Je vais vomir, pardon. Ah, mais qui voilà ? Ouais, on est content. Bonjour à tous, je suis Nolan Dufresne. Aujourd'hui, c'était la deuxième fois qu'on présente les fêtes de la jeunesse au studio, ici à Bracny. Bon, moi, c'est Salvatore. Alors, c'est la deuxième fois que je passe ici. Ça a été une expérience incroyable et je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que ça s'est bien passé. Moi, c'est Léa. C'est la première fois que je fais le concert et j'ai trouvé ça génial. Bonjour, moi, c'est Nora. Moi, j'ai bien aimé, durant toute l'année, apprendre à chanter. Et pendant 2 ans, en fait, j'étais en groupe A et maintenant, je suis en groupe B.
Je m'appelle Lou, j'ai 15 ans, je suis dans le groupe B. Le concert était super chouette, il faisait chaud, il y avait beaucoup de gens et on s'était bien amusés. Voilà, c'était super. Alors moi je m'appelle Emma, je suis en batterie en chant. C'était vraiment chouette comme concert, c'était la deuxième fois qu'on jouait. Et il y a toujours autant de monde et c'est tellement, tellement marrant, tellement drôle de pouvoir participer ensemble à un événement comme ça. Le concert, c'était stressant au début, mais après je me suis amusée comme une folle. Alors moi je m'appelle Elisa, j'ai 18 ans, je suis en B. Franchement c'était un chouette concert, je pense qu'on s'est tous bien amusés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et voilà. Je m'appelle Noah, je suis en groupe B et j'aimais bien ce concert. Moi c'est un peu dur parce que j'avais pas de voix, du coup c'est un peu difficile parce que je suis chanteuse. Mais c'était quand même, et Gabriel c'est le meilleur, mais du coup c'était quand même bien quoi. On a passé un super concert, on avait plein de gens qui nous encourageaient et qui nous ont encouragés tout le long déjà avant et qui vont continuer maintenant je pense, enfin j'espère du moins. Sur les 3 prestations qu'on a faites, compris celle-ci, je trouve que c'est la meilleure qu'on ait faite, on s'est tout éclaté et en fait on est une vraie bande de potes de base. Pour ma part c'était le premier concert avec les filles, donc je viens d'arriver dans le groupe et c'était franchement génial et je remercie Baptiste sans qui je n'aurais pas réussi à faire ceci. Donc voilà et j'espère vraiment qu'on va continuer et s'améliorer encore et encore. Tous, nous sommes à Digoben et nous venons de terminer notre concert au Fête de la Musique. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Le public était assez réceptif et c'était un peu stressant quand même. Sinon aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on a des t-shirts particuliers pour remercier nos animateurs avec leurs phrases fétiches et une photo qui les met vraiment en avant et en valeur. Salut, alors nous c'est The Rakers. On vient de la région du centre et ça nous a fait super plaisir de pouvoir jouer ici, surtout dans notre ville natale. On est tous originaires de la Louvière, Alain, Nio et moi. Et le fait de jouer avec tous nos potes, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Indigo a fait vraiment du taf, la ville aussi. On est arrivé, on a dû s'occuper de rien du tout. C'est total confort et ça nous fait super plaisir. Alors je présente le groupe, Rodrigue à la basse, Reg à la batterie. Élément important, c'est le cœur du groupe, ça. Vince, mon frère, guitariste, choriste du groupe, producteur aussi du groupe. Et moi, votre humble serviteur, Peter Xeus. Et au fait, on s'appelle Dr Voy. Ah ouais, je sais pas si on nous connaît maintenant. J'ai toujours du mal un peu à nous vendre. On a plein d'albums, on a plein de vidéos aussi sur YouTube. On tient à remercier les organisateurs, le Centre Indigo, franchement, des belles fêtes de la musique. Voilà, merci. Vive le rock'n'roll! Salut, on est Dissident, on vient de jouer ici, donc on est un tribute de Pearl Jam. C'est la deuxième année où on joue ici au Weekend au bord de l'eau, et ça s'est bien passé, hein, je pense. C'est la fête, on est entre potes, il y a Asbin qui va jouer maintenant, qui sont des copains aussi. Et voilà, l'ambiance est très familiale. Il n'y a pas eu de pluie, quelques gouttes, mais on y a échappé. Et voilà, merci à tous. Je trouve qu'on a fait un super concert sans aucune erreur. C'était la perfection. Baptiste, il a fait quand même une erreur ou deux, mais ça s'est pas beaucoup entendu. Moi, je tenais à défendre Baptiste, puisqu'il n'y a pas que lui quand même qui a fait des erreurs. Je trouve que on a aussi ce jeune homme qui avait pas mal d'erreurs, hein, comme à l'entrée de Make Me Wanna Die. Je voulais juste défendre Baptiste sur ça.
Alors on est les Weckless Pineapples. Ici on a Simon. Bonjour. À la batterie. Liam. Bonjour. À la guitare. Damien. Bonsoir. On est un groupe qui joue depuis le début d'année 2018. Et là on vient de jouer à la Louvière Plage. Il y avait quand même un bon public, on va dire. Voilà, personnellement j'ai bien kiffé. Pareil, le cadre est très très beau, jouer avec cette magnifique crue, c'était top. Les pieds dans le sable, tout ça, on apprécie. Et toi Simon, t'en as pensé quoi? Bah c'est cool en fait, quand on voit la progression du groupe et tout, c'est cool. Oh. C'est le groupe le plus désinvolte. Ouais, on essaye d'être désinvolte. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook Reckless Pineapples et sur notre Instagram qui est Reckless Pineapples Band. Salut, on est Moonstone. Ben voilà, on vient de jouer au Day Music Festival. Il y avait une très bonne ambiance, c'est la deuxième fois qu'on vient ici. C'était sympa. Et voilà, c'était très sympa. On s'améliore petit à petit et voilà, on espère continuer. C'est notre... Ici, on a testé un concert un petit peu différent, avec un synthé, avec des sons un petit peu différents. Et d'après les retours des gens, ça a pas mal plu. C'était vraiment un concert... C'était un concert assez spécial. C'était notre troisième concert vraiment tous ensemble parce qu'il y a eu une reformation, enfin bref, je passe les détails. C'était vraiment cool, on a testé des nouveaux sons comme on vous l'a dit, c'est passé crème. Bon, sortie de scène. Moi je me sens très bien, et toi? Très très bien, on est Crossroad. On vient de jouer à l'UD Festival, c'était génial pour notre première. Et voilà, plein de bonnes choses, super son, une super ambiance et je sais pas si... Une bonne énergie, ouais. Super ouais, énergie. Bah franchement, pour un premier gros concert d'une petite heure, c'était vraiment cool. Le public était très réactif, l'organisation était vraiment bien, la sono était nickel, donc bonne première expérience. Ouais, moi je tiens à dire que l'infrastructure et le fait qu'il y ait des roadies et des machins, ouais, ça change du tout au tout quoi. Par rapport à un live, il faudrait que ce soit comme ça tout le temps quoi, parce que c'était fabuleux et ouais, premier live, c'était moi je trouve c'était vraiment très bien. Et pour terminer, bah, merci à Indigo